La rage est une maladie infectieuse et transmissible qui affecte les espèces animales à sang chaud et qui peut être transmise à l'homme. Pour lutter efficacement contre cette maladie, un atelier de réflexion a été organisé ce jeudi à Kinshasa sous le thème « Une seule santé » autour duquel l'approche et les différents facteurs qui sont impliqués dans la vie humaine. Les membres des quatre ministères qui sont environnement, pêche, élevage, agriculture, santé publique se sont réunis pour trouver des solutions à ce fléau. Une santé, ce thème de la Journée mondiale de la santé rappelle que la maladie n'a pas de frontières. Elle passe aussi par diverses espèces. Le cas de l'animal à l'homme, illustration de la rage qui part des animaux sauvages, passe par les animaux domestiques jusqu'à atteindre l'homme. Combattre la rage exige alors la cohésion d'efforts des ministères de l'Environnement, Pêche et Élevage, de l'Agriculture et de la Santé publique. Dans la fièvre typhoïde se retrouvent plusieurs maladies qui commencent par la vache, allusion faite à sa matière fécale qui passe par la rivière dont les maraîchères se servent de l'eau pour arroser les légumes qui seront consommés par l'homme et provoquera sa maladie. C'est ici que la dopérose se veut une approche qui propose d'amener la solution à ce genre de problème de santé. Approche une seule santé, c'est se vouloir voir les différents acteurs qui sont impliqués dans la santé humaine, animale, végétale et environnementale, collaborer, communiquer, travailler ensemble. Parce que tous, ils luttent contre un ennemi commun, la maladie. Alors depuis un peu plus d'une dizaine d'années, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le terrain et qui travaillent pour la promotion de cette approche. Une seule santé, ce n'est pas seulement le point de Kinshasa, ce sont aussi les provinces, et non seulement les provinces, les territoires et les secteurs. Pour parvenir à une santé saine, l'approche doit être implémentée à travers tout le territoire. Le problème, c'est d'arriver à installer l'approche une santé dans toutes les provinces, les 26 provinces de la RDC, des provinces descendre au niveau de tous les territoires. Et du côté de la santé publique, on parle des zones de santé, dont les 525 zones de santé doivent être impliquées. Et du côté des pêches, élevage et environnement, on va jusqu'au niveau des secteurs. Donc il faudra qu'on puisse réunir les acteurs. La salmonellose, typhoïde, tout ce qu'on raconte là et qui n'est pas très bien identifié, pour combattre ça, il faut tous ces quatre ministères. Et cette journée nous dit, s'il vous plaît, arrêtez de travailler chacun dans son coin, parce que la maladie n'a pas de coin, la maladie traverse à gauche, à droite. Vous devez être ensemble, utiliser les ressources ensemble, partager ces ressources-là. Il y a nécessité de disponibiliser d'un budget conséquent pour répondre en général aux problèmes de santé et en particulier répondre à la problématique triangulaire.